C'est parti, on n'y connaît rien et on aime ça. On n'y connaît rien. Salut les internautes. Pour information, la bouteille lui a été cachée. Alors, est-ce que c'est un coup de ma part? Mais j'avais envie de cacher la bouteille pour donner une autre difficulté et il doit trouver ce que c'est. J'ai jamais deviné un vin de ma vie. Alors il y a une. Mais c'est une première chose que ça te faisait penser à un vin d'Alsace. Ah ouais, parce que regarde la robe, je connais que les vins d'Alsace, c'est pour ça. La robe. Non, mais... Déjà, j'ai envie de dire, je pense que c'est un vin nature. Il a. Ouais. Il a cette. Cette typicité du vin nature. Avant toute chose. Je le reconnais immédiatement. Avant toute chose, il est bon. Je pense que c'est. Il est très très bon. Ouais, ouais. Je pense que c'est un vin d'Alsace, je suis d'accord avec toi. Il était légèrement perlant. Il est légèrement perlant. Voilà, ça confirme aussi pour le vin nature. Moi, je pars aussi sur un Riesling, Marc. Je suis d'accord avec toi. Alors, pourquoi un Riesling? Je sais pas, c'est mon Alsace. Il a ce nez d'hydrocarbure. Lulu. Non, mais parce qu'il est légèrement sec et pas entièrement. Il y a des Riesling un peu surprenants. Quoi qu'ils sont secs, j'ai peut-être n'importe quoi. Il n'y a pas de Riesling un peu tardif? Pendant tardif? Non, mais il peut avoir un Riesling légèrement sucré, ça existe. Mais je trouve que celui-là est sucré, je dirais pas, mais en tout cas, il est assez fruité, quoi. Petite Marsanne. Petite Marsanne. Non, mais je connais, c'est assez, je connais pas. C'est droit, c'est alsacien. Ça fait. Il y a ce truc typique des vins alsaciens, effectivement, ce jeu de sucrosité. Un Riesling, moi je dis Riesling d'Amerschwihr. Amerschwihr, quand même, peut-être que tu penses sur Amerschwihr. Moi, je vais sur Amerschwihr. Voilà, on ça, est c'est dans facile que dire. Je suis avec toi, ouais. 2019. Alors, attends, je vais chercher la bouteille. Putain, alors, j'arrive. Peut-être un Bordeaux clair. Alors, on a la bouteille. Oh non, il y a, regarde le jeu qu'il a. Ah, mais déjà, il est. On a la bouteille d'Alsace. Il s'est foutu de notre gueule. Et regarde le bouchon. C'est quoi le bouchon là? Ah, c'est un bouchon qui n'est pas un bouchon. Regarde, c'est quoi ça? C'est un vin allemand, peut-être. Non. Peut-être qu'on est dans un Bordeaux. On reste sur Riesling. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Et ça se trouve, là, j'ai une envie de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que c'est, Mathieu? Il sort si tu veux. Ah, qu'il est. C'est un Riesling d'Alsace, nature. Ouais, Amerschwihr, n'importe quoi. Non, on a Schervillers. On est dans le Bas-Rhin. Mais Schervillers, c'est Bas-Rhin. Amerschwihr, c'est Lorrain. Bah oui. Ah, je l'aurais mis un peu dans le Lorrain. Bon, une petite faute de ma part. Comme quoi, on n'y connaît rien. Non. Une petite faute de notre part. C'est bien. Déméter, super. Mais moi, j'étais sûr qu'on avait. Je suis d'accord. Vin nature aussi. Hein. Putain, c'est bon. Vin d'Alsace nature. Biodynamie. Moi, je t'assure que c'est direct à la couleur. Est-ce que c'est possible ça? À la couleur, mais direct, quoi. Bravo. Bravo. Ben, on n'y connaît rien, mais un peu quand même. Et donc, bravo, messieurs. Riesling. Ouais, en dégustation à l'aveugle, comme ça, bravo. Est-ce que je peux me faire l'amour, hein? Je peux dire ça. Pour me féliciter, je vais me faire l'amour. Non? Ça m'est égal, je le fais tout seul. Bravo, messieurs.